Alors c'est un livre effectivement dans lequel j'essaie de réfléchir au rapport entre l'évolution de l'historiographie et l'évolution du métier de l'historien aussi dans sa dimension pratique. Je parle d'enseignement, je parle de budget, je parle de choses très concrètes et tout cela nous renvoie effectivement à un état de l'histoire qui a beaucoup changé depuis le début du XXIe siècle. L'université elle-même a beaucoup changé et j'essaie de montrer comment l'histoire qu'on fait aujourd'hui s'est emparée de nouvelles questions, de nouveaux objets et qu'elle essaye aussi de créer un nouveau rapport au savoir et à la science et par exemple s'appliquer à elle-même le type de méthode qu'elle applique aux gens du passé. Et ça, l'objet du travail de l'histoire et l'objet du travail du livre, c'est de montrer qu'on peut faire l'histoire des historiens avec les mêmes outils que l'histoire des sociétés du passé. Alors une chose qui a changé, à mon avis, de manière forte, c'est la dimension collective de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de travaux d'historiens sont des travaux qui sont menés par des équipes, 5, 10, 15 personnes, il y a des laboratoires, il y a des programmes de recherche qui sont financés, et donc je pense que l'histoire est plus collective, plus transversale qu'elle l'a été au cours du XXe siècle. C'est un premier point de différence. Je pourrais donner un deuxième point de différence qui est ce que j'appellerais la réflexivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les historiens, lorsqu'ils réalisent une opération historiographique, quand ils commentent un document, quand ils commentent une source du passé, commentent en même temps les méthodes qu'ils utilisent pour faire ce travail, c'est-à-dire qu'ils incluent à la fois l'histoire et l'historiographie. Ils réfléchissent par exemple à la manière dont le même document a été lu au XIXe siècle, au 1er XXe siècle, et que tout cela constitue un nouveau rapport au passé qui est un peu différent dans l'écriture de l'histoire. Alors c'est effectivement un défi majeur pour les historiens, les historiennes aujourd'hui. D'une part, il y a des grands ouvrages ambitieux mais qui prennent une forme collective comme je l'ai dit, par exemple l'histoire mondiale de la France, l'histoire du monde au XVe siècle, d'autres entreprises de ce type. Et puis d'autre part, je crois que l'écriture de monographies a été elle-même fortement renouvelée, mais elle passe par une forme de savoir, je dirais, qui met en scène l'enquête de l'historien et son travail en même temps que le résultat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement aujourd'hui de dire voilà comment les choses se sont passées, on a un savoir absolument certain et sûr, il s'agit plutôt de dire voilà comment on cherche, voilà comment on découvre des documents et cette mise en scène du travail de l'histoire, cette méthodologie, je dirais, en acte, c'est aujourd'hui une dimension essentielle de l'écriture de l'histoire.